Salut à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, test d'un smartphone vraiment pas cher, un vernis. Je remercie Seb de la chaîne Shine Android Phone qui m'a presque gracieusement fourni ce téléphone. Je l'ai acheté, mais pas cher. Donc je l'en remercie encore. Merci à toi Seb. Et donc, un smartphone pas cher. Qui dit pas cher, dit équipement moyen, voire beaucoup de plastique. Mais là, par contre, en l'occurrence, vous avez un smartphone prévu pour être en couleur, mais aussi de type écran e-ink. E-ink permettant, bien sûr, d'économiser la batterie. Et qui plus est, en plus, il a une batterie annoncée pour, vous devez le savoir déjà, 5020 mAh, c'est très précis. Et je tiens à vous signaler que cette batterie contenue dans ce téléphone a été testée. Donc vous saurez toute la vérité sur la batterie. Vernis, disent-ils la vérité ou pas? Pour le moment, petit récap des specs techniques. Alors, le vernis Thor E, il s'appelle. Et ce vernis Thor E est équipé d'un écran 5 pouces, HD uniquement. Il contient 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Il est équipé du processeur MT6753, l'ancienne génération, le même processeur qui équipe le Maze Blade précédemment testé. Ensuite, déjà indiqué, il a une batterie de 5020 mAh. Il a un lecteur d'empreintes basé à l'arrière du téléphone. Il est sous Android 7 d'origine. Il a le Mali T720 comme GPU. Et pour ce qui est des photos, nous avons un capteur de 8 mégapixels à l'arrière interpolé en 13 et un 2 mégapixels ici interpolé en 5. Beaucoup d'interpolations donc. On vérifiera la qualité des photos un peu plus tard. Son poids, pour un modèle équipé d'une batterie de plus de 5000 mAh, il est très contenu puisqu'il fait 149 grammes. Je tiens juste à signaler que si vous suivez le blog, ce que je vous conseille si vous le désirez, il est annoncé une vague de modèles de smartphones fins, pas lourds et équipés de grosses batteries. Peut-être le vernis Thor E est le premier de cette toute nouvelle génération de smartphones équipés de grosses batteries, fins et pas lourds. Pour le moment, on va regarder tout de suite le contenu de la boîte. Sa boîte, un chargeur annoncé pour une charge en 18 watts, donc 9 volts, 2 ampères, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. Une recharge complète annoncée en 2 heures. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, un câble USB, micro USB, un outil pour ouvrir le tiroir à carte SIM, puisque c'est un châssis unibody, et enfin un petit guide utilisateur, rien d'autre, pas de film, pas de coque. C'est le strict minimum offert par Vernis pour ce Thor E. Alors première chose, on va faire le tour du propriétaire. Petite chose que vous avez sur ce modèle est une LED de notification. LED de notification qui annonce les arrivées de notification bien entendu, ainsi que la charge du téléphone. Sur le bas, vous avez des boutons non rétroéclairés. Vous avez juste un dessin, mais alors très doux, on va dire à l'œil. Ils sont à peine visibles et ils sont non rétroéclairés donc. Pour le reste, je vous l'ai dit, c'est un châssis unibody. Ici, vous avez un bouton magique. Alors, ce bouton magique ne sert qu'à une chose. C'est passé en type e-ink. Voilà, donc on en fera la démonstration. Au-dessus, vous avez le tiroir à carte SIM. Tiroir à carte SIM, donc, que l'on va ouvrir tout de suite. Vous voyez que ça s'ouvre très facilement, sans forcer. Et l'ouverture se fait de la même façon, sans trop d'accrochage, hormis un petit point ici, lorsque vous avez ce petit passage là pour la deuxième carte SIM, ou en tout cas c'est pour la première carte SIM, parce que sur le premier slot, vous voyez que vous intégrerez votre
carte SD. Voilà, la fermeture se fait assez proprement, mais toujours ce petit point dur. Mais sinon, globalement, c'est du tout bon, c'est propre, ça se ferme bien, c'est bien usiné de ce côté-là. De l'autre côté, vous avez bien sûr les boutons power, volume plus, moins. Sur l'arrière, donc, la caméra de 8 interpolée en 13. Toute petite caméra. Elle est vraiment minuscule. Un flash LED mono LED. Le capteur d'empreinte. Donc, ici, vous avez le haut-parleur pour laisser passer le son. Sur le dessous, vous avez le port micro USB pour la recharge. Sur le côté, vous avez un petit trou pour le micro. Et je tiens à vous signaler juste que sur l'arrière, aucun micro de compensation pour la vidéo. Et sur le dessus, bien entendu, le jack 3.5 pour votre casque. Une petite grille protège le haut-parleur de face avant. Et à côté, la caméra de 2 mégapixels interpolée en 5. Et ici, vous voyez les capteurs et la LED de notification qui se trouve avec d'ailleurs. Juste à côté, là pour le moment, elle ne clignote pas. Alors, le lecteur d'empreinte se trouvant sur la face arrière, vous voyez que par contre, il n'est pas très grand, je trouve. Mais si vous positionnez bien le doigt, voilà. Des mots concluantes, je pense. C'est un lecteur d'empreinte qui fonctionne très bien. Je tiens juste à signaler, ce smartphone est autour des 100 euros. Il est en vente flash actuellement sur la boutique Gearbest. Il est à 95 euros. Donc, premier prix et franchement, un matériel qui fonctionne bien, même si ce n'est pas du matériel de dernière génération. Pour ce qui est du téléphone, ça ROM, alors, on est sur la première version de ce qu'ils appellent le VOS, le Vernis OS. Qui, par exemple, si j'éteins le téléphone, vous voyez ces deux boutons de reboot éteindre, font penser étrangement à de l'Oxygen OS qui se trouve sur du OnePlus. Bref, voilà, c'est ce qu'ils appellent le VOS. Alors, très honnêtement, peu de choses. Un clavier différent pour saisir vos SMS ou les mails. Donc, un clavier Android un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour le reste, pas grand chose et en tous les cas, aucune application, on va dire, un petit peu chiante qui vont commencer à vous embêter, à envoyer des pubs ou ce genre de choses. Donc c'est assez propre au niveau de la ROM et elle fonctionne plutôt bien et elle paraît, très honnêtement, bien optimisée parce que ça reste fluide. Voilà. Alors, moi je vous propose tout de suite d'aborder les tests. On va aller très vite puisque c'est du MT6753 et du Mali-T720. Qui est important, c'est le GPS, la photo vidéo et enfin tout ce qui tourne autour de la batterie, consommation, capacité. On va vérifier tout ça à la fin, mais pour le moment, donc, on regarde quand même le résultat en toutou. Alors, un score de 38 000 points, un score rien d'extraordinaire, c'est un score classique pour le MT6753. Qui montre malgré tout qu'il n'est pas trop dépassé, puisqu'il a un score quand même de près de 40 000, ce qui est plutôt pas mal. Le seul problème de ce processeur, c'est l'ancienne génération, où il n'était pas très optimisé pour la consommation d'énergie pour la batterie. Donc, mais malgré tout, ce coup-ci, vous avez une batterie conséquente. Je tiens juste à vous signaler qu'il est chargé à 100%. Voilà, on regardera. J'essaierai d'y penser. On regardera à la fin le niveau de la batterie après tous les tests que l'on aura fait ensemble sur cette vidéo. Alors, les informations. Le Vernis Thor E. On est bien sous Android 7.0. Le CPU, le MT6753. Le GPU, le Mali-T720. Un écran HD, on est bon. La caméra arrière de 13 mégapixels. Je vous le rappelle, ce n'est qu'une 8 interpolée. Donc attention, la RAM 3 Go, ce qui est plutôt bien, 16 Go de ROM, il nous en reste 10 après les installations des applications et autres photos prises et blablabla, il nous reste quasiment 7 Go.
Donc, on sait que le CPU est un 8 cœurs à 1,3 GHz. Le Mali-T 720, 320 dpi sur un écran 5 pouces. La caméra en façade, 5 mégapixels, mais je vous le rappelle que c'est de l'interpoler à partir de 2. Niveau de la batterie, on est toujours à 100. Température globale, on est à 25 degrés. Au niveau des capteurs, un accéléromètre, un vecteur de rotation géométrique, un gyroscope non étalonné, capteur de lumière, champ magnétique, orientation et proximité. C'est un peu plus que certains, mais voilà, ça suffit, je pense, pour un smartphone premier prix. Alors, la chose importante que moi j'aime vraiment tester, c'est l'écran, parce que ça montre quand même beaucoup de choses. Alors là, pour le coup, celui-ci, alors vous avez, petit point, juste avant de regarder l'écran, vous avez soit les boutons ici, Android classique, mais ils ne sont pas masquables, ou alors les boutons matériels. On va cacher les boutons Android, mais il faut le faire manuellement avant de continuer. Alors, juste une information, c'est que de mettre les boutons Android désactive les boutons matériels. Voilà, c'est bon à savoir, vous ne pouvez pas avoir les deux. Alors, les boutons, barre de navigation à l'écran, on la désactive, voilà. Et on revient sur, je vous le disais, les boutons matériels. Exemple, on appuie et vous le voyez, aucun rétro-éclairage, voilà. Vous le savez donc. Le bouton toutes les applications gestion des tâches se trouve bien à gauche et le bouton retour ici à droite. Donc c'est tout bon de ce côté-là, on a l'habitude. Alors on y va pour l'écran. Donc l'écran, vous le voyez, pas de tâches, pas de fuite. C'est honnêtement un bon boulot. Donc je me mets bien en face de la caméra et on y va. Voilà, alors des couleurs qui sont plutôt pas mal, hein, je trouve, plutôt bien rendues, ça pète pas à l'œil, mais elles ne sont pas fades, voilà, donc c'est, je trouve, plutôt bien calibré, voilà, pas grand chose à redire, côté écran, alors c'est un écran à technologie Ansel, donc je trouve qu'il répond bien au tactile. Seul gros défaut j'ai trouvé de la part de vernis sur ce modèle, c'est vraiment le non-traitement de surface. Et donc l'écran marque énormément les empreintes. Voilà les couleurs, bien rendues, belle colorimétrie. Il y a, très honnêtement, pas grand-chose à redire côté écran, traitement des couleurs, luminosité. Je trouve que c'est plutôt un bon travail. La mire, là encore, on voit que les couleurs sont bien rendues, les dégradés, les différentes teintes. Donc c'est un bon travail, très honnêtement, côté écran. Alors le multitouch, rien d'extraordinaire, c'est quand même un 5 points. Le traitement graphique avec Epic Citadel, Geekbench et les GPS, c'est tout de suite en copie d'écran. Alors, le résultat d'Epic Citadel, c'est plutôt un bon score, mais vous le voyez que la définition au niveau de la résolution de l'écran, on est sur quasiment du 1200 par 720, donc on est à 47 frames par seconde, ce qui est franchement plutôt bien avec ce Mali-T 720, mais l'écran, justement, de par sa forme, permet d'avoir des performances quand même de meilleur niveau que d'autres qui sont voilà, en 5,5 pouces. Et justement, je pense que c'est un bon choix, le Mali-T 720, lorsque vous êtes en 5 pouces, ça suffit amplement. Résultat Geekbench avec voilà, un single core faible, un multicore qui tient la route, mais un single core vraiment très faible sur l'ancienne génération des processeurs, avec en l'occurrence le MT6753. Pour le GPU, on est à un score de près de 2000, c'est son score habituel pour le Mali-T 720. Là, on a un petit peu plus, parce que justement, on a cet écran 5 pouces en 720p, donc ça permet d'avoir quand même de compenser des performances somme toute moyennes grâce à cet écran 5 pouces 720. Le GPS, on va l'aborder tout de suite. Alors le GPS, premier fixe sur GPS Data, donc c'est le premier outil que je lance, hein, en 8 secondes, c'est pas terrible,
mais c'est pas non plus trop mauvais. On a 14 satellites fixés sur 19 visibles. Alors, lorsqu'on lance pour la deuxième fois GPS test, on a fixé en une seconde. Voilà, ici, vous le voyez bien. On a 14 satellites fixés sur 19 visibles. On en a fini avec la revue des tests et autres benchmarks. Je vous propose donc tout de suite de vérifier la partie multimédia, tout d'abord avec les photos et la vidéo. Alors vous avez vu quelques photos, des vidéos, je vous propose d'en regarder quelques-unes ensemble et de les détailler. Photo prise de nuit totale, hein, toujours, uniquement avec un éclairage public, là sans flash. Vous pouvez zoomer, la photo reste assez nette, par contre à la fin arrive vite du bruit hein, dessus. Voilà un exemple type d'une caméra moyenne, c'est-à-dire que vous avez un beau halo lumineux sur l'éclairage public, ce qui fait que vous avez ces espèces de rayons et ce halo juste ici à côté. Ceci étant, la photo reste malgré tout assez nette sur la partie feuillage, mais ici, tout autour, vous avez un bruit assez important sur le sombre. Celle-ci floue dès que vous bougez un peu, voilà, c'est l'exemple type. Donc là, photo rapprochée, prise avec flash, j'ai trouvé qu'il se débrouillait quand même pas trop mal, mais une fois de plus, regardez le bruit, on voit que l'interpolation fait aucun miracle, et esquinte même plus la photo quelque part. Je le répète, hein, l'interpolation, ça a ses limites, c'est bien gentil, mais mieux vaut mettre un capteur de 8 mégapixels bon, et ne pas l'interpoler, que de mettre du 8 moyen et de l'interpoler en 13. L'interpolation, ce n'est que du soft, ce n'est que du logiciel. Et attention, voilà, sans zoomer dessus, vous avez une photo plutôt belle. Vous zoomez un peu, vite, vite, le bruit est là. Sauvons-nous. Caméra selfie, bon, je dirais que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est, ça va, quoi, c'est... Mais une fois de plus, hein, si vous zoomez, attention, la trombine est déformée. Hein. Donc, bon, c'est de la caméra qui se débrouille, mais sans plus, il ne faut pas trop lui en demander, il n'est pas fait pour ça. Si vous voulez beaucoup en demander à votre caméra, il faudra mettre un petit peu plus cher, c'est évident. Donc voilà, partie photo, vidéo, on en a fini. On va attaquer la partie son, vidéo sur écran, et c'est tout de suite. Voilà, petite vidéo, on va lancer, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites hein, en commentaire si vous en avez marre de voir nos amis les bêtes. Si ça vous saoule un petit peu, eh bien, on changera. Mais malheureusement, en vidéo, il n'y a pas grand-chose, je trouve. Alors, des couleurs, je trouve plutôt bien rendues. Hein, je l'ai dit dès le départ par rapport au test de l'écran. Les couleurs sont bien rendues, je bafouille, je suis désolé. Les couleurs sont bien rendues, belle luminosité, quand même de beaux détails sur cet écran uniquement HD, mais comme il a un beau traitement, un bon traitement au niveau des couleurs, eh bien ça fait des vidéos à regarder de façon très très agréable. Ouais, que la lumière est quand même bien présente sur cet écran. Mais une fois de plus, hein, toujours les caméras déforment malheureusement quand même toujours les couleurs et la lumière réellement rendues sur un écran. Mais on voit, voilà, c'est un beau travail. Hein. Vernis a bien travaillé côté écran. Et le son, je vous le rappelle,
Maintenant, on fait du no copyright. De cette façon, on est sûr de ne pas être embêté. On est à fond. Alors c'est un son aigu, pas hyper péchu, ça s'entend, il est puissant mais pas non plus énorme. Quelque part c'est meilleur sur la table que relevé, écoutez. Et quand on le tient en main, un peu plus de caisse de résonance, donc un peu plus de basse, mais le son naturellement manque clairement de basse. Voilà, il est aigu, c'est un son aigu, pas strident non plus, non vibrant, mais clairement dans les médiums et aigu, médium haut et aigu, très peu, même pas du tout de médium bas, donc côté son, téléphone, smartphone à 100 €. Voilà. Bon, d'autres ont prouvé qu'ils pouvaient faire mieux sur des téléphones à 100 €, mais là, Verny ne s'est pas trop décarcassé, je pense, côté son. Donc, vous avez vu la vidéo, vous avez vu le son. On va regarder tout de suite le jeu vidéo. Vous l'entendez encore, le son est très aigu là encore. Donc j'avais pas mal joué sur ce petit Vernitor E. Alors vous voyez que ça se débrouille plutôt quand même pas mal, hein. Très honnêtement, les effets quand même sont là. Les effets de dérapage, la fumée. Oups, la fumée, la poussière, donc oui, tout est là. Alors pas trop de poussière quand même, mais... les pneus qui dérapent et qui font la fumée, c'est bien présent. La lumière sur la carrosserie aussi. Alors pour ceux qui ont l'habitude de jouer, vous devez connaître le circuit de Laguna Seca et son petit S bizarre en descente au fond. Donc un accéléromètre qui fonctionne bien. Voilà, on est en plein soleil. Vous voyez quand même que c'est plutôt bien traité, même si c'est pas du Full HD, mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. On va faire notre tour de calife. Et on s'arrêtera là. Expirer, ben, vous voyez, alors le nul de chez nul, hein, sortir de la route, voilà, donc bon. Voilà, voilà. Donc voilà pour le jeu vidéo. Et vous avez vu que ça se débrouille plutôt bien. Donc on a fait le jeu vidéo. Et je vous ai parlé en fait au départ de la batterie et qu'on allait vérifier ce qu'avait indiqué Verny concernant la batterie de ce Vernitor E. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, regardez cette copie d'écran. Donc la copie d'écran montre bien 4811 mAh en charge complète. Alors on est loin des 5020,
il manque clairement 200 mAh. Ça fait un pourcentage d'erreur faible, mais on n'a pas dépassé les 5000. Alors, je tiens à signaler quand même, à souligner surtout, que vous êtes sur un téléphone fin, la preuve, 8,6 mm. Il est fin, donc il est léger, 163 grammes. Petit bémol, 164, dernier chiffre. Petit bémol sur le poids, je l'avais déjà vérifié, et je ne retrouve pas les 149 annoncés par vernis. Mais bon, allez, passons, on va être sympa. Attention vernis, ne pas jouer aux petits fabricants chinois qui donnent des chiffres énormément bons et qui, au final, lorsqu'on les a en main, ne sont plus du tout les mêmes. 164 grammes pour un téléphone avec une batterie de 4810 mAh, c'est quand même, franchement, plutôt pas mal. Vous comprenez donc qu'avoir un smartphone de 164 grammes, de 8,6 mm et enfin avec une batterie de 4810 mAh, c'est plutôt une belle performance, je trouve. Petit, léger, il tient parfaitement dans votre poche de jean, il tient bien en main, même si je trouve la coque arrière un peu trop glissante, ça ressemble à du métal, mais attention, je ne pense pas que ce soit du métal, ou alors un métal, mais alors très très fin. En tout cas, il marque énormément aussi le gras des doigts quand il fait chaud. Il faut régulièrement le laver, l'essuyer. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est quand même une belle performance de la part de vernis sur ce Thor E. Et lorsque vous commencez à manquer de batterie et que vous voulez continuer à utiliser ce téléphone sur la journée, vous avez donc le bouton ici. C'est le bouton magique créé par vernis sur le Thor E qui est le bouton de lancement de l'écran e-ink. Voilà, vous avez le smartphone de type e-ink avec le minimum, hein, rien d'autre, et vous êtes bien en mode e-ink et vous avez juste en fait la gestion des messages, l'agenda et le téléphone. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose, voilà, pour les gens qui veulent garder leur téléphone toute la journée sans avoir à le recharger. Par contre, je vous l'ai dit au début, regardez bien les empreintes qui apparaissent lorsque je bouge l'écran. Il y en a au milieu, il y en a pas mal en bas. Voilà, c'est un écran qui marque malgré tout quand même les empreintes. C'est pas bien grave. Bon, voilà, c'est tout. Ça manque un petit peu de traitement. Eh bien, écoutez, c'est sur ce mode e-ink que j'en ai fini des tests et revues de ce téléphone. On va donc aborder tout de suite les plus, les moins. Et sa note finale, bien entendu, avant de se dire au revoir. Et je signale juste qu'après avoir fini tous ces tests et revues, on a perdu 1% juste un instant. Voilà. Alors, on va aborder tout de suite les plus, les moins de ce téléphone. Alors, les plus, les moins de ce vernis Thor E. Ben finalement, après avoir... dépatouiller tout ce que j'ai pu tester, finalement il a plus de plus que de moins, et vous le voyez, je vous le disais, il a une lettre de notification, regardez bien, elle clignote, voilà, la preuve en est, elle est là et elle clignote en vert. Alors son premier plus, son prix 100 € autour des 100 €, voire moins de 100 €, c'est franchement un prix imbattable vu la taille de sa batterie. Et donc les plus, sa batterie, puisque elle est annoncée pour 5020, même si on l'a mesurée à 4810. Certes, c'est moins, mais ça reste très élevé par rapport à toute la concurrence. Ça, c'est clair, il n'y a pas photo. Les concurrents sont loin derrière en termes de taille de batterie, avec un smartphone quand même bien équilibré. Enfin, son lecteur d'empreintes, puisqu'il en a un, et en plus, il est très rapide. Son écran, sa gestion des couleurs, luminosité, il est parfaitement intégré dans le châssis. Sa taille, bien contenue. Poids aussi, contenu. Donc, un smartphone compact avec une belle batterie. La gestion de ce que j'appelle la gestion e-ink, qui permet de gagner environ 20 à 25% de batterie. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est clairement un smartphone prévu pour un quotidien. Enfin, sa ROM avec son VOS 1.0, qui, je trouve, est proche d'Android. Et du coup, on a quelque chose de stable, peu gourmand,
et qui ne prend pas trop d'espace en mémoire. Et du coup, on a un smartphone fluide. Les moins, son espace de stockage interne, 16 gigas. Honnêtement, c'est peu au jour d'aujourd'hui. Alors certes, ça permet de contenir son prix, mais connaissant les prix aujourd'hui des ROM, voilà, c'est un peu tiré, bon, je trouve, bref, 16 gigas, c'est peu, voilà. Et enfin, bah, la caméra, caméra avant ou caméra arrière, beaucoup de bruit rapidement, en faible luminosité, c'est pas terrible, beaucoup de bruit saccadé, la photo, ça passe, mais je trouve que les couleurs sont un peu déformées. Bref, sa note finale, je suis émis 7,5. J'en ai donc fini avec ce Vernitor E, avec ses tests, revues, notes finales et plus moins. Voilà, vous savez tout. Donc, dorénavant, sur le Vernitor E. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre le commentaire qui va bien, à me dire de ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis sur ce, les amis, à la prochaine. Ciao et bye bye.